Bien, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver en direct donc de Nice pour ce vol à destination de Paris. On va y aller, on va pas trop tarder. Donc c'est un Boeing 737-800 qui est garé en porte 53. Il n'y a pas grand monde. Bon, il y a eu quelques petits problèmes de texture, de chargement, puisqu'on est passé en mode nuit. Et donc vous voyez ces notes magnifiques 737-800 qui va faire donc ce trajet jusqu'à Paris. Nous sommes prêts au départ, on va pas tarder à collationner avec Nice et donc on va pas tarder à y aller. Let's go again. Nisto, bonsoir de Spiber 21-24 avec vous. On demande une clé en CFR à destination Paris-Charles de Gaulle, s'il vous plaît. Spiber 21-24, il y a un problème avec votre plan de vol. Il vous faudra un niveau de vol pair. Est-ce que vous pourriez prendre le 380 ou le 360? Non, Spiber 21-24, on vous rappelle. Votre vol initial 130, transpondeur, oui. Alors, Spiber 21-24, mise en route approuvée pour Paris, Charles de Gaulle avec un départ et un MA 4 Alpha 04 gauche. Transpondeur mis, Spiber 21-24. Spiber 21-24, relecture correcte. Si. Nice tour de Spiber 21-24, prêt à rouler pour la 04 gauche en service. Spiber 21-24. Confirmé, vous avez déjà démarré les moteurs? Pas du tout, on va les démarrer. Spiber 21-24, mais là on t'apprend. Merci Spiber 21-24. Alors, donc, démarrage des moteurs uniquement. Je vais passer déjà sur la PU, ce sera déjà bien. Good evening, this is 2-3 Kilo Papa at gate 40 Charlie, request clearance to Geneva, information in the airport. Southwest 2-3 Kilo Papa, Miss Tower, good evening, you are cleared to Geneva by the Air Mars 7 Alpha departure, runway 04 left, initial flight to level 130, squawk 1, tap it. Falcon 04, right, Ilma Ilma 7 Alpha, sorry, initial climb 130 and score 1000. This is 2-3 Kilo Papa. Tough with 2-3 Kilo Papa, read that correct? Ça, et ben on est bon, on va pouvoir y aller. Hop, on va se mettre en flap 5. To gate 8 Alpha,
Eh bien, Nice Tour de Speedbird 21-24, on est prêt à rouler. Sorry, say again, this is 561. Switch 561, cross runway 04 left and taxi to lane point Quebec 3, runway 04 right via Whistle. Taxi across 04 left to Holden Point, Quebec 3 via Whiskey, Switch 561. Speedbird 21-24, roulez pas de pente Alpha Unité, piste 04 gauche via Tango et Alpha. On roule via Tango Alpha, Speedbird 21-24, merci. Allez go. Pas avec 5 minutes d'avance. Nice Tour, en 3-6-0-3, on est au stand 2-4 Alpha. Information IA, BFR pour Barcelone, s'il vous plaît. Air France 360, Nice Tour, bonsoir, Nice Tour, 80 pour Barcelone, départ Apollo 7 Alpha, 204 droite, niveau de vol initial 100, transpondeur 6604. Approuvé pour Barcelone via Apollo 7 Alpha, 204 droite, niveau 100, transpondeur 5604, Air France 360. Air France 360, relecture correcte. Speedbird 21-24, traversez la piste 04 gauche et on attend qu'avec 3 pistes 04 droite via Whisky. Alors, on traverse la 04 gauche et on continuera. Point d'attente 04 droite. Speedbird 21-24. La frontière 233, nous sommes prêts à repousser la mise en route. Air France 42-33, repoussez la mise en route à poser, la face sud. On pousse face au sud, 42-33. And Switch 60, Lima Taxiway Gulf is the one slightly off to your right in front. Switch 60, Lima Taxiway Gulf. Alors, donc le méta, Cavo 90 degrés, 4 nœuds, QNH 10-20, ok. Nice Tour de Speedbird 21-24 derrière le Swissair 561, on maintient la distance. Speedbird 21-24, c'est reçu. Lui, il a été clear, donc moi ça va être mon tour. Hop, je mets toutes les lumières. Le code transpondeur. Qui va bien. Alors, bon, on va aller au bout. Take on my right side.
rien compris. On s'aligne, on attend. 04 droite pour Spielberg 21-24. Going to 134.475.561. Thank you very much. Alors 124 la prochaine, c'est 124.475. Alors 134.475. On va attendre le go. Allez, on va attendre le go du contrôleur pour pouvoir y aller. Allez, vent autorisé. Pardon. Piste 04 droite avec les vents autorisés décollage. Puis 21-24, merci. Allez, pour 7. V1 rotates. Allez, au revoir Nice. Positive climb as gear up. Oula, Nice tour de Spire 21-24, j'ai pas compris la transmission. Spider 21-24, tournez à droite immédiatement, le survol de Nice n'est pas autorisé. Ah, c'est reçu, copié, merci. Spider 21-24, contactez Nice, approche 134, décimale 475, au revoir. Ouais, 134-475, merci, au revoir. Nice approche, bonsoir, de Spielberg 21-24 avec vous. Spielberg 21-24, Nice approche, bonsoir, identifié, montez niveau 170, direct hors CAC. Alors, niveau 170, direct hors TAC, Spielberg 21-24. Hors CAS. Paris avec De Gaulle approche qui nous guide 119 et après ça sera donc la tour. On descend 4000 pieds QNH 10 16 Spielberg 21-24. On va réduire, je vais dire 200 tranquillement.
15 nautiques, final 26. Et donc nous revoilà à Paris, on est parti cet après-midi direction Nice et on revient ce soir direction Paris. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Bonsoir à Frontière 233, on est en descente vers le niveau 100 pour Eboma. Frontière 233, bonsoir, autorisé vol Palace 6, plus qu'il y a transition, prévoit ILS 25. On prévoit l'ILS 25 par Molbane Foussi à Frontière 233. Et on est établi 26 gauche. Speedway 21-24, bonjour de Gaulle Tour. On est établi 26 gauche. Speedway 21-24 de Gaulle Tour. Bonsoir, piste 26 gauche. Autorisé atterrissage en 250 degrés. Si autorisé atterrissage 26 gauche avec les vents. Merci beaucoup, Speedway 21-24. Et, oups. Et de Gaulle Tour, pour information de Speedway 21-24, par moment on se fait déconnecter du voice server. Tout à fait normal en raison de la qualité du réseau. 24, c'est reçu, la prochaine est prévue. Bonne fois. On vous rappelle dégager, merci. On va à 14h08, bonjour. 14h08 de Gaulle Tour, bonsoir. Piste 27 gauche, alignez-vous et attendez. 14h08, je vais mener à piste 27 gauche. Alors, moi, il est prévenu. Quelques petits soucis réseau. Allez, get down. Allez, on va réduire. 159. Là, c'est bon. Je vais allumer la PU. Je vais réduire un petit peu encore. Je vais jouer d'un tout petit chouïa de deux nœuds. Oh, encore un problème de texture. Oh, putain. Casse les couilles. Oh, si on peut refaire un petit kiss landing, comme on a fait à Nice avec mon 121, ce serait cool. Non, on est bon. Pas de trafic inside. Putain, il fait chaud à Paris, 25 degrés. 1000, continue. Je crois qu'il y a un avion sur la piste. Contactez le départ 121, 150. Bon vol, alors. Delta de Gaulle Tour. Je vous écoute, Air France 71 Delta. 71 Delta, contactez l'approche 121 150, au revoir. J'ai oublié speed break. 71 Delta, au revoir. Au revoir, monsieur. Continue. Pas de trafic inside. Via 2605, bonsoir. 2605, bonsoir, je vous rappelle.
Et De Gaulle, tour de Spire, 21-24, on dégage prochaine droite. Pilote 21-22, vous pouvez traverser la 26 droite, partir à 3, après la traversée, le sol pour 21-26. Bonne soirée, au revoir. Eh bien, après la 26 droite, on traverse et on contacte le 121 décimal 6. Merci, très bonne soirée, au revoir. Transavia 14-01, piste 27, gauche, autorisé décollage en 252 mètres. Transavia 14-01, unité, autorisé décollage. Transavia 26-05, derrière le 737, tour au départ 27 gauche, soyez-vous, attendez. Transavia 26-05, après le décollage du Transavia 14-01, unité, je m'aligne à la piste. Alors c'était 121 décimal 6. Hop, alors la fréquence elle est prête. De Gaulle, tour de Spire, 21-24, je traverse les 26 droites et je contacte le sol. Merci, au revoir, très bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. À vous aussi, de même, au revoir. Ouais, histoire de politesse. Hop. De Gaulle, sol, bonsoir, de Spire, 21-24 avec vous, fin de traversée, 26 droites. Alors, on continue tout droit et serait possible la porte Alpha 12, si possible, sur 21-24. Alors, on contacte le trafic 121-850. Merci, très bonne soirée, au revoir. 121, vous m'avez dit la fréquence 121. 121 décimal 675. Ok, 121 décimal 675. Merci, au revoir, bonne soirée. Alors 121 décimal 675. De Gaulle trafic. Bonsoir de Spire, 21-24 avec vous. 24, bonsoir, roulez porte Alpha 12. On roule pour la porte Alpha 12 via Papa. Non, là j'ai freiné un peu trop tôt. Et voilà, on y est. On est à la porte. Hop. Parking brake set. Hop. Land set. De Gaulle trafic de Spire 21-24 à la porte Alpha 12 pour quitter la fréquence. Merci, bonne soirée, merci du passage. Merci, bonne soirée à vous. Et voilà, bienvenue à Paris, Charles de Gaulle, terminal 2A. Et on n'aura pas eu de Payano, on n'aura pas eu de haters. Pour une fois, qu'est-ce que c'est bien de ne pas se prendre la tête pour une soirée comme ça. C'est cool.
Et ça fait même du bien, ça veut dire que la censure a été efficace. Alors, donc ça c'est bon. Donc ça c'est tout good. Ok, ça. Ok. Hop, électricité, je suis d'accord. Voilà. Eh bien, bienvenue à Paris. Donc, ce fut un plaisir pour moi d'avoir pu vous accompagner tout au long de cette soirée. J'espère que ce petit live vous aura plu. Et puis, sur ce, on se donne quant à nous rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Et puis, très bientôt pour un prochain vol. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bien, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Vous avez donc pu vivre en intégralité, sans coupure, sans haters, l'aventure donc du vol entre Nice et Paris. Ce fut un plaisir pour moi donc d'avoir pu vous transmettre un petit peu ce vol de reprise. Moralité de la chose, certains haters critiquaient ma passion, critiquaient ma manière de piloter, etc., etc. Il en s'avère que, en fait, les plateformes de jeu, et c'est comme une moralité, et c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Les réseaux comme Vatim France, comme Ivao France, comme tous ceux qui se croient les plus hauts placés avec des hauts pouvoirs, qui critiquent les gens, qui critiquent leur manière de piloter, ce sont des personnes qui sont tous corrompues, d'accord? À commencer par Ivao France, à commencer par Monsieur Mathias Mameko et Mademoiselle Elodie Philippe. Ces personnes-là, malheureusement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des personnes très toxiques, qu'il ne faut pas laisser entrer dans vos vies, ce sont des personnes qui ne sont pas capables de gérer. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que les haters comme Payano, comme Airbing, comme Guillaume de Fontenay, je ne le lâche pas d'une seule semelle. Il va payer pour le harcèlement qu'il m'a fait avec Payano, et je peux vous assurer qu'il sait très bien ce qui lui attend derrière. Mais bon, voilà. Pareil pour Roxane, pareil, tous ces gens toxiques-là, ça m'a appris une chose, parce que ce week-end, j'ai pu voir des gens qui étaient importants pour moi, et la seule chose qu'on a pu me dire, ces gens toxiques, qui ont été toxiques, qui ont voulu décider de ma vie, il ne faut plus les laisser en venir, il faut les bloquer, appliquer une dictature et une censure. C'est ce qui s'est passé, et ça a été appliqué. Maintenant, ce qu'il faut vous dire quand vous êtes victime d'usurpation d'identité, et ça va venir à la suite donc du vol directement, il ne faut pas vous laisser faire, il faut vous battre. Même si vous allez être détesté, il faut vous battre pour vous, pour votre dignité, et pour votre personne, c'est-à-dire que ces gens-là, qui sont toxiques, comme Enzo DeWitt, Guy DeWitt, le père d'Enzo DeWitt, monsieur Guy DeWitt, et son épouse, qui change de métier comme de chemise, ça c'est très facile, ça aussi, hein, je les piste aussi, ils savent très bien que je les piste, et ils le savent très très bien, ce sont des gens qui sont extrêmement toxiques, pas capables de faire la part des choses entre le virtuel du réel. Voilà ce que j'avais à vous dire, voilà, soyez quand même très vigilants par rapport à Payano, par rapport à tout ça, ce sont des gens extrêmement toxiques, Roxane s'est fait avoir, pour preuve elle a voulu me salir vis-à-vis d'une collègue de travail sur place avec qui je devais normalement avoir quelques contacts, là aujourd'hui ça va mieux parce que j'ai certaines personnes extérieures qui m'aident à mon travail et qui me montrent certaines choses et que je n'ai pas su voir avant. Et je remercie vraiment ces personnes-là de m'avoir aidé. Et puis ça montre surtout l'attitude des gens en France. Et surtout le fait qu'on nous dise que la France est une nation. Alors que pas du tout, ça me fait doucement rire. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, voilà. Ça montre au moins une chose, que le vol qu'il y a eu entre Nice et Paris, je sais très bien piloter. Même s'il y a des erreurs dans la vidéo, c'est pas très grave. On est tous là pour apprendre, d'accord? Tout le monde n'est pas parfait dans la vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous ces haters... avoir appliqué une dictature et une censure, ça a fonctionné, ça a montré ses preuves et ça a montré la grosse faille des réseaux d'aviation et les personnes comme les superviseurs de Vatim, les superviseurs français, les superviseurs français aussi, IVAO et de Postcon et de Truckers MP qui n'ont pas été capables de faire leur travail. Ça montre leur état de faiblesse et puis ça montre un petit peu la perversité du truc, et puis ça montre surtout que quand vous êtes victime d'usurpation d'identité, vous n'êtes pas du tout aidé, vous êtes le pire des criminels. Voilà ce qu'il faut retenir, voilà ce dont les plateformes de jeu sont responsables à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que donc le vol entre Nice et Paris vous aura plu. Quant à moi, il vous reste qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Salut tout le monde, ciao ciao.